Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 3. Et bien évidemment, mettez en meilleure qualité possible, prenez un casque ou des écouteurs, un petit truc à manger, un petit truc à boire, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et nouveauté grâce à ce let's play, et ça sera dorénavant ça pour tous les autres let's play à venir, surtout sur les aventures horrifiques, The Last of Us 2 et Tutti Quanti, vous aurez des vidéos en 4K. Donc même sur une télé 4K, vous pourrez apprécier la moindre petite particule que vous verrez sur l'écran, comme les petites boules de lumière que vous voyez en fond. Et si vous n'avez pas de 4K ou même 2K, eh bien vous aurez une meilleure 1080p. Donc l'épisode 7 a marqué l'histoire de la chaîne YouTube avec cette fois-ci une nouvelle avancée en 4K. Ça fait que dans 10 ans, cette vidéo sera toujours sublime à regarder pour vos petits yeux ou pour ceux de vos enfants. Ils auront bien évidemment grandi d'ici là, n'est-ce pas? Bref, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quel bonheur de se retrouver par ici. On va faire le tri dans le stuff parce que regardez, je m'étais fait beaucoup de soins, mine de rien. On a une clé rouge qui ouvrira forcément une porte. On a un magnéto, on a une petite grenade, on a des grenades flash. En vrai, on est très 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 bien. Donc c'est parti. On va directement... Je me souviens pas trop. Attends. Oh, ça, ça me dit rien. Oh putain, ça, ça me dit rien du tout, ça. Ok. Très bien. Oh, la qualité, c'est sublime, c'est sublime. J'ai d'ailleurs changé la luminosité pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Regardez rien que ce plan. Il est pas magnifique quand même. Mettez ça en 4K, régalez-vous. On sait jamais. On n'est pas à l'abri. On n'est jamais trop prudent. On a une clé ici, seul Gilles peut l'ouvrir. On a un rapport. Note d'une infirmière, le 29-09. On a essayé, je jure que l'on a tout tenté, mais c'est sans espoir, tout est hors de contrôle désormais. Les victimes affluent par dizaines, mourant et propageant l'infection avant que l'on ne puisse faire quoi que ce soit. Nous avons abandonné ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés. Ceux d'entre nous, pardon, qui ne sont pas infectés se sont barricadés ici. On peut entendre des cris à l'aide dehors, c'est affreux. Mais aucun d'entre nous ne sortira. Ce serait du suicide. Je n'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos patients. C'est le pire crime imaginable pour une infirmière. Je n'arrête pas de trembler, mais je veux vivre, je veux vivre. Il est 21h. En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous nous sommes mis à pleurer et à nous enlacer, pensant qu'une équipe de secours était en route. Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné, et tout ce qu'il nous reste maintenant, ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie. Docteur Young, Ariana, Miranda, Dakota, je suis vraiment désolé. Quelque chose approche. Aidez-moi ! Ok. Donc elle a sûrement énormément souffert en écrivant évidemment cette dernière lettre, n'est-ce pas ? Plus rien à lire. On lit tout ici. Oh, ça c'est du plaisir. Ça c'est du plaisir. Je commence à avoir beaucoup de balles et ça, ça commence à m'inquiéter un tout petit peu à ce niveau-là. On a encore une note. Alors, note de la direction, règlement relatif aux cartes d'accès. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous déposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Merci de votre compréhension. La clé du vestiaire a disparu. La dernière personne à l'avoir eue l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour. En attendant de la retrouver, nous garderons un double ici. Très bien. Et c'est là que ma petite clé rentre en jeu, n'est-ce pas? Ok. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir grand-chose ici. Voire rien du tout, mis à part notre petite carte d'accès. Oh, Sugoi, ça. Ça, c'est Sugoi. Ça, c'est très Sugoi. Et ça, c'est pas Sugoi parce qu'il n'y a rien. Ah! Oh, le classique. Ça, c'est un classique, ça. J'ai mis une petite balle dans la tête, quand même. Hein. Très bien. Carte d'accès Spencer Memorial Hospital. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Putain, c'était un classique, mais toujours efficace.
Ok. Je suis pas bien. Toujours une clé ici. Toujours quelque chose. Je suppose que la carte d'accès, on va la garder. Quelque chose... Ah oui ! À toutes les portes comme ça, toi ! Ok ? Vite, 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 vite ! Oh oh, oh oh ! Aïe ! Il est beaucoup trop vite ! Te déplace pas comme ça, frère ! Il fait des gauches-droites ! Tellement vif ! Non, trois chargeurs, par contre. Enfin, il a fallu deux chargeurs et demi, ça sent pas bon. Ok. Flèche de droite. Oh, 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 oh. Il a fallu beaucoup trop de chargeurs ! Pas une bonne nouvelle. Ok. Ça, c'est l'accès dehors. Je crois qu'à droite, on n'a pas été voir. On essaye des choses. Ah, ça, c'est Sugoi. C'est Sugoi. Hop, une petite save. Eh, on a à peine avancé, c'est honteux, mais bon. On m'en voudrait pas, évidemment. Je pense que vous comprendrez. L'état d'urgence instauré. Oh, bougez pas, parce que ça, hop, je peux immédiatement jeter. Ça sert déjà plus à rien. On va garder mon fusil d'assaut. Hein. J'ai suffisamment de balles, en vrai. Plutôt pas trop mal. J'ai peur. Quelque chose ici marche. Vous avez entendu, hein? Oh putain. Ça se rapproche? Ma vie, ça se rapproche. Ok, un coffre. Alors, note à propos d'une cassette. Je crois que je sais ce qui est arrivé à la cassette du Dr. B qui a disparu. Son assistant de recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier du poste des infirmières avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue ton travail comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir Dr. B dans la communauté médicale. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne les laisserai pas détruire la preuve. C'est un porc doublé d'un salopard et il répondra de ses actes devant un tribunal. Sois forte, une amie. Les frères, faut pas faire ça, hein. On a un coffre ici, putain. On a un coffre ici. Et il me semble pas avoir vu... Alors qu'on fasse chaque... Ah ! Oh putain, y'a rien eu, sérieusement. Ça, je vous le dis, hein. Un couloir comme ça, les frères. Ok. Un à droite. Ça a passé par cette fenêtre. J'ai peur, putain. Ok. Ah, c'est bon, c'est rien. Aïe, 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 c'est bien. Ça fait mal, mais je reste debout. Ok, bon là, je fais un peu le thug. Qu'est-ce qu'on a là? Munitions de fusil, on prend. Oh, fait chier ça, putain, j'aurais pas pu. Si j'avais su, je l'aurais pris agile. Ah! Oh putain. Ah, ah! Oh là là, les gars! Sérieusement? Ok. Ok, 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 très très bien. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ça arrive, pas de stress.
Là, ils vont tous se révéler, se réveiller, pardon. C'est terrible. Ah ! Wesh ! Il a fermé la porte ! Mais il est beaucoup trop fort ! Tête de mes dangereux ! Ah ! Non ! Beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Je suis bientôt mort. Il y en a un autre, je crois. Ok. Vous savez très très bien qu'il y en a potentiellement un deuxième. J'aurais dû mieux regarder à travers la vitre. Vous savez que si on fait demi-tour, il y a des chances qu'il casse la vitre et qu'il me découpe. Alors... Non. Non, non, passer par là n'est pas une bonne idée. J'ai plus qu'à prier, les amis. Plus qu'à prier qu'il y en avait forcément qu'un. Oh, il y en avait qu'un. Ok, il y en avait bien deux. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais quelle vie de merde! Attendez. Il y a quel... Non. Ne pas passer par là. Ne pas passer par ici. On retourne à la salle de save. Il me faut des soins. Hein. Il me faut des soins. Là, je suis en train de boiter. Ça va pas du tout. Ok, par chance. Oh là là. C'était pas cette porte. C'était plutôt celle-ci. Ok, par chance. Oh la vache. Oh. Je me suis fait ouvrir. C'est quoi ces conneries? Bah on prend. Et vous savez quoi? Plutôt deux fois qu'une. On prend encore. Hop, ça. Voilà. J'ai loupé ma grenade, j'ai un démon. Vous imaginez même pas à quel point je suis dans une merde. Pas possible ça, c'est terrible. C'est terrible. Ok. On est reparti. Here we go again. Je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu au départ. Y'a rien là par rapport au coffre. Ah! Mais c'était fermé! Oh non, c'est trop. C'est trop! C'était fermé ces portes-là, Zinedine! Ok. C'est les mêmes. Alors attendez, attendez, attendez. Je suis vraiment pas bien là. Je déteste cette ambiance. Très malsaine. Peut-être. Pour être honnête. Oh ouais, c'est. Non, c'est trop. Dégage, 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 dégage. On dirait Michonne là de Walking Dead, frère. Ça va, oh! Bon, sans tête, normalement, elle reviendra pas. Et toi aussi, c'est trop cher. Ok. Désolé, je suis très à cran en ce moment. On a quoi, là? Munitions, je prends. J'essaye de trouver un putain d'indice. Hein. C'est pour ça que je fais des coups de caméra un peu aléatoires. Putain d'indice, ça, je... Ok. Non, c'est trop... C'est trop, oh! Frère, c'est quoi? C'était jaloux, quoi! Forceur, les gars, hein! Allez, dégage. Y'a vraiment rien, là?
pour le coffre. Vu que c'était pas censé s'ouvrir avant. Bon. Non, c'est... Ah non, j'ai eu peur. On va retabasser l'autre bordel, là. Ok, il est revenu à sa place. Ça devrait le faire. C'est, ça me met en sueur. Ça me met réellement en sueur, par contre, sachez-le. Ok. Alors lui, bon, les gars, vu que je suis toujours apparemment éclaté pour le lancer de grenade. C'est trop, c'est trop! Oh! Débile! C'est totalement débile! Ouvre cette porte! Sérieusement, non, avouez que c'est pas de ma faute, c'est n'importe quoi! Ouvre cette putain! On va l'ouvrir cette porte. Hein. Viens, vas-y, je vais te mêler. Allez, ouvre! Ouvre! Je vais te mêler, frère! Tu sais qu'on va se la donner! Oh mais attendez, mais j'ai plus de balles de. Oh là là! J'ai plus de balles? Et je suis obligé de le mêler, je crois qu'il y a un truc. C'est trop! Je suis censé faire quoi? Quoi? C'est trop! Je suis censé faire quoi, les gars? Zinedine! C'est trop! Mais non! Combien de balles, les gars, il vous faut? Je loupe la moitié, mais des grenades en plus! Putain, je suis vraiment une salope! J'y retourne. Non, 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 je suis désolé, c'est injuste. L'injustice, vous savez, la vie est parfois injuste. Et là, c'est injuste. Toi, hein, pire que le Némésis, le gars. Hein. Pire que le Némésis, hein, no joke. Ah, attendez, parce que partout, il y a des chiffres, les affiches. Ah ouais. Si seulement j'avais réussi du premier coup, si seulement j'étais pas une sombre merde. Hein, Carlos, t'en penses quoi, toi, de toutes ces conneries, putain? Ok, on a quelque chose, une cassette. Oh, oh. Oh, on a une cassette. Alléluia. Alléluia. On a une cassette, putain. J'y croyais plus. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Ok. Je peux pas. Je peux pas m'être prêt. Ah, il manque des piles, certainement, non? Forcément. Ok. Allez, y'a rien, on se casse. C'est terminé, je me casse, ça m'a saoulé. Vos conneries, là. Ah hey. Oh. Attends. Non, tu bloques. C'est trop, frère. C'est trop, frère! C'est trop, frère! Arrête! C'est trop! Non, sérieusement! Quoi? Encore? Oh là là! C'est bon, allez, on retourne en hockey moyen. Je sais qu'il y a des choses que j'ai loupées aussi, mais il y a un truc que je comprends pas, en fait. Je dois pas descendre, là, je pense. Hein. Let's go. Je dis je dois pas descendre, je fais quoi? Je descends, hein. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est mon instinct de... De mec à moitié éclaté au sol. Ok. Quoi? Très bien, il y a rien par ici. Il y a un truc qui va sortir, là. Ok. J'entends des trucs.
Oh là là. J'ai peur. Aïe. Madame. Ok. Et ben on y va pas. Ok, objet perdu. À tout le personnel, nous croulons sous les déclarations d'objets perdus. Si vous trouvez un objet, merci de ne pas l'emporter chez vous, déposez-le dans le coffre-fort. 9 dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 dans le sens inverse. Quoi, c'est tout ? 9-3, représente toi-même, tu sais. Ok. Oh non. Merci, il l'avait prévu. Tout était prévu depuis le début. Oh merci. Désolé, faut pas te mettre au milieu, mon bon. Si vraiment t'insistes, je veux bien. Mais... Monsieur, faut arrêter, hein. C'est bizarre quand ils sont de loin, et c'était pareil sur Resident Evil 2, leur animation est un peu saccadée quand ils tombent, tu vois. Non, les gars, voilà. On arrête les bêtises. Attends, je suis venu pourquoi ici? 9 et 3. Faut retourner en haut, mais quel enfer. Allez, dégage. Faut retourner en haut. Attends, c'est donc ça l'enfer. Oh, c'est pas mal. Bel enfer. Ok. Bon, je sais que j'ai une plante rouge, ça va être cool. Il y avait quoi là-dedans, par contre, en vrai, pour le coup? C'est pas mal, ça, regardez. Ça peut me refaire un peu, non? Ouah, c'est pas mal. On prend. Ça sera pour Gilles. Ok, combiné, très bien. On est reparti. Allez, 9 et 3. Quel enfer. J'appréhende chaque putain de seconde. Je suis désolé, je parle pas beaucoup parce que je suis vraiment dans l'ambiance. Faut savoir qu'à chaque fois que j'enregistre, je suis dans le noir. Et quand bien même il ferait jour, je me plonge entièrement dans le noir, et je peux vous dire que l'ambiance n'est pas la même, d'accord? Donc faut pas se moquer si jamais je sursaute pour rien. En plus, j'ai un casque. Ça aide pas, hein, soyons francs. C'était là. Hop, c'était pas là. Hop, on peut aller save. Eh, la sécurité, on n'est jamais trop prudent. Allez, là par exemple, je record. Bon, bah il est 17h, vous l'avez vu sur la save. Mais je ferme les volets. Eh oui. Sinon c'est pas... Tu peux pas apprécier la chair d'un Resident Evil si t'as ne serait-ce qu'un brin de soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'était là? Non, c'était pas là. Hein. Putain, mais c'est terrible ici, on se perd trop. Non, ça c'était un raccourci. Bonjour monsieur, quoique. Non, c'était totalement de l'autre côté. 9-3 représente... Normalement tout le monde est mort. Et quand je vais être avec Gilles, ça va être encore une autre paire de riches. Oh merde. 9. Attendez. 9. Let's go. Ok. Rechargement rapide. Un double chargeur. Normalement... Ça fait que je recharge beaucoup plus vite, non? Ah non! D'accord, il y a le double chargeur directement intégré. Comme quoi, hein? Eh, un bout de scotch, ça fait l'affaire. Un bout de scotch suffit. Vous savez quoi? On va descendre. On retourne voir Gilles. Et on va pouvoir s'arrêter là. Parce qu'on est très très bien. Oh, shit. Je suis content, j'ai le coffre de... J'ai le coffre de l'endroit. Je savais où était le... En montant mes vidéos...
Je me suis rendu compte de où j'ai loupé la combinaison du coffre. Vous savez, de la ville au tout début. Et quelle erreur, les amis, j'ai fait. Je suis passé à côté plus d'une fois. C'était tout simplement dans la pharmacie. Et c'était sur une affiche, c'était des numéros entourés. Gilles ? Ah, ok, c'est là. Let's go ! Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez ? Je suis Nathaniel Bard, bon sang ! Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière okay, à deux balles. Comment quand même ? Bien sûr que j'ai des relations au placé. Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement. Alors me faites pas perdre mon temps avec... Ok... Je pensais que ça continuerait l'enregistrement, mais pas du tout. Ah ouais... Oh non, oh non... S'il vous plaît, laissez-moi! Ah! Bard. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde! Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve! Il doit y avoir un ordinateur, non? Eh, il va mieux me parler, celui-là, hein! Invitation à un banquet. Cher Dr Bard, j'ai le plaisir de vous convier à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au Central Hotel. A cette occasion, nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale de Raccoon City. Le maire Michael Warren, le chef de la police Brian Iron, ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindront également à nous. Jeudi 10 septembre 1998, restaurant Lorient, en espérant que vous nous ferez l'honneur de votre présence, je vous prie d'accepter mes sincères salutations. Il y a une note manuscrite. Nate, je ferai passer la proposition de loi concernant ton nouveau médoc courant août. N'oublie pas d'amener l'argent. On a réservé une suite pour l'after. Il me semble que tu aimes les brunes, non? Je vais en parler à Irons. Ok. Monsieur aime les brunes? Quand on donne autant de... J'ai hâte. Oh lolo. Email de Nathaniel Bard. Greg, je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont déferler sur Capitol Hill. Comme un raz-de-marée, tu n'es pas en sécurité. Cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. J'ai en ma possession une dose d'un vaccin contre ce virus, le Saint Graal, et je la garde non pas pour ma famille, ni pour mes maîtresses, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des États-Unis. Si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier maintenant, sans qu'Ambrella ne le sache. Contacte le Pentagone pour moi. Je sais que tu as le bras assez long. Vois si quelqu'un peut t'envoyer une équipe de secours ici, sans passer par l'UBCS. Je me rends service... Je te renvoie l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes allés. Dépêche-toi, mon temps est compté. Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que...
Zut, il avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Ok, ça a ouvert la porte. J'espère qu'on va pouvoir quand même save là-dedans. Ouais, le vaccin est là. Le vaccin est là, mais vous savez quoi? On va aller save. On récupérera ça. La prochaine fois, on a déjà fait du zèle. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Juste aller save, normalement, il devrait rien se passer tant qu'on n'a pas pris le vaccin. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Et à très bientôt tout le monde. Il y a quelque chose qui traîne juste ici. Ça, ça c'est de la petite friture. J'espère en tout cas que l'arrivée de la 4K vous fait extrêmement plaisir, évidemment. Parce que moi, je peux vous dire que j'en frissonne encore. On ira directement devant le vaccin la prochaine fois. Vous en faites pas, on perdra pas. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.